I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que ça va bien. Mon nom est Jonathan Drapeau. Une fois de plus, dans une émission du Wrestle Rock Podcast, je suis avec mon collègue et Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va numéro un. Yes. Aujourd'hui, on a un invité, il n'est pas n'importe lequel. Il est le seul Québécois, voire même le seul Canadien à avoir vaincu le plus grand de tous les temps, Hulk Hogan. J'ai nommé Monsieur Jacques Rougeau, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Hey, bonjour Benoît, bonjour Jonathan. Allô? C'est, écoutez, Monsieur Rougeau, du fond du cœur, on est vraiment content que vous soyez là. On sait que vous êtes très occupé avec votre projet de Lutte Academy, qu'on va parler d'ailleurs durant l'entrevue. Restez avec nous, Jacques va avoir des belles choses à raconter à propos de ça. Puis, ça va être, c'est vraiment un support de beau projet là, qui tient beaucoup à cœur. Il met beaucoup d'énergie là, avec sa famille. Donc, c'est ça. Donc, commençons vivement dans le sujet, M. Rougeau, avec quelques petites questions concernant votre carrière. En fait, en quelle année vous avez commencé à faire de la lutte professionnelle? Écoute, Benoît puis Jonathan, avant de commencer là, moi, j'aurais un petit, quelque chose à jaser un petit peu vite. Je vais vous parler de ma santé. Ben oui! Vous savez, ma santé est quelque chose qui préoccupe beaucoup de mes fans, puis je veux juste les mettre à l'aise petit peu. Vous savez, une fois dans notre vie, on va dire, on a une année qui est exceptionnelle, mais disons que c'est pas la mienne. Et puis, point de vue santé, j'ai connu toutes sortes de déboires. J'ai connu, à partir du mois de mars, j'ai eu une grosse pierre qui s'est faite, comme on appelle une pierre au rein, mais qui était rendue dans ma vessie, mais qui était grosse comme une balle de golf. Puis, je me suis fait opérer pour ça. Puis après ça, deux semaines après, je me suis ramassé avec une grosse pierre, la même chose au rein, qui était la même grosseur. Donc, j'ai fait une insuffisance rénale. Fait que ils m'ont posé un genre de sacoche à la cuisse. Mon rein ne marchait plus, ça sortait de mes côtés. Puis après ça, à un moment donné, ils se sont dit « Wow, là, les pierres, là, qu'est-ce qui arrive avec ça? » Fait que là, ils ont finalement trouvé que c'est dans ma gorge que ça se passe. Mes parathyroïdes qui ont produit... qui sont mis à faire les fous cette année, là. On a quatre parathyroïdes qui sont placés derrière la glande thyroïde. Ouais. Et puis, c'est eux qui calculent un peu le thermostat, un peu, si tu veux, du calcium dans ton corps. S'il t'en manque, ils vont aller en chercher dans les os, mais si t'en fais trop, ça va causer, comme moi, dans mon cas, des pierres aux reins et des pierres inversées. Fait que là, je me suis fait opérer pour ça. Puis pendant qu'ils sont venus m'opérer pour ça, imaginez-vous donc, ils ont trouvé un cancer, une petite masse cancéreuse dans ma gorge. Oh. Fait qu'ils ont enlevé ça en même temps. Puis après ça, de ces opérations-là, j'ai eu une bosse qui m'a poussé sur le, comme une balle de baseball qui m'a poussé sur le coude. Puis ça, c'était une bactérie qui est venue s'installer à ma dernière opération. Après 3 mois de passer dans l'hôpital, rentrer puis sortir, j'ai eu une bactérie qui s'est installée. Puis là, c'est devenu un petit peu plus sérieux parce que la bactérie est venue s'installer, se loger sur la valve de mon cœur. Et puis, juste à l'entrée, à part de ça, fait que c'est, je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai vu les dessins un peu. Ouais. C'est comme un petit peu une petite guirlande de Noël qui descend d'un arbre, qui pend, qui est à côté de ma valve, mais qu'à n'importe quel temps peut se détacher. Et puis, ils ont peur que ça rentre dans mes valves, puis ça, ça pourrait causer, ça dépend où est-ce que ça va, une paralysie, ou ça pourrait aller au cerveau, ça pourrait être un ACV. Fait que là, j'imagine-toi donc, la dernière journée de mon opération, après 3 mois de pierre ici, pierre là, puis tout ça, moi, j'étais dans ma dernière journée prête à sortir, puis là, ils découvrent ça, cette bactérie-là, puis là, ils m'ont enfermé pendant 3 semaines de temps entre 4 murs à l'hôpital. J'ai passé 2 semaines à Joliette. À l'hôpital en plus. J'ai passé 2 semaines à Joliette entre 4 murs, puis où est-ce qu'à toutes les 3 heures, ils m'ont installé un PICC line ici qui rentre là, puis qui s'en va jusqu'au cœur, puis ils me donnaient des antibiotiques en me disant
que j'aurais besoin d'une opération à cœur ouvert. Et puis là, moi, je capotais. Écoutez, là, je suis venu un petit peu fou là-dedans, là, parce que moi, j'étais un athlète, là, puis c'est pas mon cœur qui m'a gagné, c'était la bactérie qui est venue s'installer, qui causait tout ça. Fait que pendant 2 semaines de temps, je me refondais avec ça, puis je dépressais avec ça, puis tout ça. Puis finalement, ils m'ont transféré à l'Institut de cardiologie il y a 1 semaine et demie, 2 semaines de ça. Alors, j'ai passé ma dernière semaine là sur mes 3 semaines, puis c'est là que Dr. Reda Ibrahim, qui est venu à conclure, qui a dit « Wow, une minute, avant de le couper comme un homard, là, il dit « On va essayer d'autres choses. » Puis là, toute la vie m'est revenue en dedans de moi, je savais que je ne me ferais pas tout couper comme… Parce qu'il m'expliquait pendant 2 semaines, il faut que je vous dise, les gars, c'était pas évident, parce que quand j'étais à Joliette, là, j'en ai pogné une cardiologue qui ferait un bon lutteur, parce que je te dis qu'elle ne tenait pas ses coups. Là. Elle était là, puis elle me dit à moi, elle dit « Bon, ben, c'est facile, M. Rougeau, elle dit, on va prendre une scie, là, puis on va vous couper, là. Puis après ça, on va vous enlever votre bactérie, là, puis après ça, on va prendre des broches, là, puis on va tout vous rattacher ça ensemble. » Moi, j'étais après mourir, là, vraiment. Là. Puis finalement, ben, quand Dr. Reda Ibrahim est venu me dire « Attends une minute, Jacques, on va faire d'autres choses, on va essayer un test. » Donc, pour l'instant, moi, je me sens tellement bien, je me sens très bien, parce que quand tu te sens bien moralement, ben ça va mieux ton physique, ton corps et tout. Puis, fait que là, j'attends le 29 juillet que ça en vient. C'est là que je vais repasser un PEP test, puis je vais repasser d'autres tests au cœur. Ils vont savoir si les antibiotiques ont fait disparaître cette petite guirlande-là qui pend proche de ma valve. Okay. Puis à partir de là, c'est là qu'ils vont déterminer si j'ai besoin d'une opération à cœur ouvert ou non. Okay. Et puis, entre-temps, pour le malheur à continuer pour moi, c'est pas des farces. Je suis revenu chez nous il y a une semaine, puis le lendemain, finalement, après mes 3 semaines à l'hôpital, j'arrive chez nous, puis j'étais assez content avec les pilules, la place d'opération. Mon pied droit a commencé à enfler. Ma cheville a commencé à enfler. Fait que là, imagine-toi, là, ça fait depuis une journée ou deux que je prends des anti-inflammatoires, parce que mon pied commence à rapetisser. Fait que j'ai le malheur qui court après moi depuis 4 mois. Mais là, on dirait que mon pied va mieux. Là. Je me sens comme je suis le bord là, de vraiment tourner les choses plus positives. Je m'attends à des bonnes nouvelles le 29, mais juste pour dire à mes fans, écoutez, quand on est un athlète ou on pense qu'on est intouchable puis physiquement, mais c'est pas comme ça. C'est drôle comment la santé, il ne faut pas la prendre pour acquis parce qu'on est debout un jour puis on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Fait que, mais moi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai espoir là, que ça va tout se replacer puis je vais être bon pour... Je vais avoir bien des pièces, ça m'a dit comme l'histoire. Ma blonde, elle me dit souvent que je vais être abonné avec des comme un auto-usager. Elle m'envoie des pièces à remplacer, mais je pense que je suis bon pour un autre 10-20 ans après ça, là, si tout va bien. On vous souhaite la santé, M. Rougeau, la meilleure des santé. On est content parce qu'on vous suit sur les médias sociaux, puis on commence à t'inquiéter là, avec les in and out à l'hôpital. Là. On est content de savoir que vous êtes que ça va mieux, puis que vous prenez du... Mais ma carte d'assurance maladie est expirée, je pense. Et puis, ben c'est ça, dans le fond, vous, les seules pierres que vous tolérez, c'est Pierre Carwallet. C'est ça, c'est une bonne pierre. Là. C'est une bonne pierre à ma vie. Fait que pour revenir à ta première question, merci de m'avoir donné le temps de m'exprimer à mes fans. Ouais, alors, j'ai commencé ma carrière en 1977. J'ai pris mon premier vol d'avion, puis je me suis allé pour Stu Hart à Calgary, le père de Bret Hart. Oui. Et puis Bret Hart, il chauffait l'autobus dans ce temps-là, il luttait même pas. Puis je vais toujours me souvenir qu'on s'en allait à Saskatoon à un moment donné, on partait, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de voyagements dans l'Alberta, on faisait Regina, Saskatoon, on faisait des 12 heures souvent en autobus, puis Brett un soir, il avait frappé un orignal pendant qu'on dormait tous dans l'autobus, mais c'était une expérience absolument extraordinaire, j'étais allé 2 années de fil à Calgary, et puis Stuart était assez gentil de me donner une chance de partir ma carrière. Ah, c'est vraiment. Justement, cool. En parlant de la Stampede Wrestling de Calgary, pouvez-vous nous parler d'un combat mémorable dans cette fédération? Oh, écoute, j'ai eu quelques combats qui étaient assez le fun. Je pense à un poids lourd junior que j'avais fait contre John Foley, un lutteur qui venait du UK ou qui venait de Wales, je pense. Et puis, mais tu sais que j'étais jeune, hein, fait que. Des combats mémorables, il n'y en a pas trop quand tu as 17 ans. Là, tu sais. Moi, c'était plutôt d'aller apprendre, puis j'étais vraiment choyé, puis chanceux qu'ils m'aient pris dans la fédération, puis ils m'ont pris à cause de mon nom. C'est le nom Rougeau, vraiment, qui a fait que les portes se sont ouvertes pour moi. Mais je te dirais plus que ce qui est plus mémorable en tout et partout, c'est le fait de partir pour 4 mois. Puis pour la première fois de ta vie, à 17 ans, tu étais un jeune petit cul, puis tu pars pour 4 mois, puis j'ai appris
à faire assez d'argent pour payer ma chambre d'hôtel, puis payer ma transportation, puis mes repas, puis devenir autonome, si tu veux, devenir un homme. C'est plutôt ça que j'englobe le plus comme souvenir. Puis évidemment, il y a quelques petits souvenirs qui sont un petit peu plus drôles, mais qui n'ont pas rapport à la lutte. C'est que chez Stewart, le dimanche, il m'invitait toujours pour aller, parce que j'étais tout seul comme garçon. Tu sais, j'étais tout seul dans mon hôtel à St. Regis, à 7e Avenue, où il y avait les Autochtones, puis qu'il y avait les prostituées sur la rue. Moi, j'étais vraiment dans une place où c'était pas riche. Puis, fait que le dimanche, j'essayais de me changer les idées, puis il m'amenait manger chez eux à la maison, Stewart. Okay. Puis j'oublierai jamais, il y avait deux raisons pour ça. Un, parce qu'il avait pitié de moi, parce que j'étais tout seul. Puis l'autre, c'est parce qu'il voulait toujours m'emmener dans son sous-sol, dans son dungeon, où tous les lutteurs, ils les amenaient là pour les stretcher un peu, là, pour leur montrer la vraie lutte, comment ce qui était tough. Moi, je m'arrangeais toujours pour avoir une défaite, pour pas pouvoir rester après dîner. Là. Mais je me rappelle... C'était assez intense. Là, On voit les c'était quelque chose. Là. Le dungeon, oui. Puis je vais toujours me rappeler aussi qui était vraiment drôle, c'est quand tu arrivais chez Stewart, Helen, sa mère, sa femme, qui était super fine. Puis tous les 46 enfants, là, je dis ça de même en rien, mais je sais pas comment il y avait d'enfants là, mais moi, on dit qu'il y avait des enfants, des hearts qu'il y en avait. Mais il y avait autant de chats dans la maison. Il y avait tellement des chats dans la maison, tu mangeais, puis ça sautait sur la table pendant que tu mangeais, puis il y avait tous leurs noms, puis c'était comme ils faisaient partie de la famille. Ça, c'est des choses que je vais me rappeler toute ma vie. Hey, wow. Puis est-ce que vous étiez, quand vous êtes allé à Calgary, là, est-ce que vous étiez jeune comme ça? Non, j'étais plus jeune que ça encore. Ah oui? Ça, c'est dans les années 80, c'est quand j'étais allé en 77. Ben oui. Oui, puis j'étais plus jeune que ça, puis j'étais plus mec que ça. Là, je suis pas mal en forme, là, c'est pas pire. Vous aviez fait la page couverture de la revue avec votre frère Raymond. À l'époque de l'international. Les bonnes années. C'est Linda Boucher, je pense que c'était la revue de Linda Boucher dans ce temps-là. Ah oui, c'est elle qui exactement. La photographe, mais c'était plus tard dans ma carrière. Ça c'était plus tard dans ma carrière. Et puis, on parle de l'international, quel est votre plus beau souvenir de cette période-là, M. Rougeau? Lutte internationale? Je dois dire, écoute, j'ai des bons souvenirs, j'en ai tellement, là, mais c'est ceux qui sont les plus remarquables pour les fans, puis ceux qu'on se rappelle tous, évidemment, c'était comment est-ce qu'on appelait ça, donc le massacre de la Saint-Jean-Baptiste, avec les frères Garvin, oui, Jimmy, puis Ronnie Garvin avec Precious, puis mon père qui était impliqué là-dedans dans le premier combo, ce qui s'est fait ramasser lui avec, puis on a fait la revanche après. Écoute, j'ai des bons combats mémorables avec Abdullah, j'ai des combats que je me rappelle aussi avec Floyd Creechman, il m'avait brûlé l'œil, puis j'étais revenu. J'ai des combats mémorables avec mon frère Armand, puis mon frère Raymond, des 3-3 contre Pierre Maddog Lefebvre, Frenchy Martin, puis Pat Patterson. Puis il y a tellement, la lutte était tellement spéciale dans ce temps-là. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, le dimanche matin. Oui, le devise de Carpentier. C'était vraiment un temps épique de la lutte au Québec. Et puis, donc, je ne pourrais pas te dire un souvenir, entre autres, là, mais j'en ai beaucoup, beaucoup. Puis c'était les meilleurs moments de ma vie, ça, c'est sûr. On ne se cachera pas, dans le fond, vous avez été en équipe avec votre frère Raymond. Comment avez-vous été recruté par la WWF? Dans le fond, comment ça a fonctionné? Ben c'est drôle ça que tu me dises ça, comment c'est arrivé, parce que vraiment, c'est que moi, j'avais eu un désaccord avec Dino Bravo, qui était un des propriétaires de Lutte internationale. Oui, oui, oui. Dino Brito, Ricky Martel, puis je pense qu'il y avait Frank Valois ou Tony Mullet qui était là-dedans. Ça s'appelait Varoussac dans le temps, ça s'appelait Varoussac à l'époque. C'est ça. Frank Valois, Roussima pour André le géant, puis... À Cuccello pour Gino Brito, si je ne me trompe pas, c'était ça. Oui, mais moi, dans mon temps que j'ai eu mon désaccord, c'est après, c'est Tony Mullet qui avait acheté des parts du géant, puis Ricky Martel avait acheté des parts aussi là-dedans. Okay. Et puis, j'étais en désaccord, fait que j'avais quitté la Fédération québécoise, j'étais chez nous. Puis mon frère Raymond, puis mon frère Armand, ils avaient quitté avec moi, mais ils ont décidé de retourner, eux autres. Ils n'ont pas voulu tenir leur bout parce que j'en mettais un peu de pression un petit peu. Parce que je n'aimais pas le fait que. On m'annonçait dans le troisième combat, dans le quatrième combat de la soirée en équipe avec Raymond. Puis Dino, il se mettait en finale tout le temps contre King Tonga ou contre peu importe. Puis quand on arrivait dans les shows, dans les arénas,
ben, il renversait les matchs. Il se mettait troisième, quatrième sur la carte, puis il nous mettait dernier, nous autres, pour faire la job de finir la soirée parce que nos matchs, c'était dur à suivre, les matchs de moi et moi en équipe. Je ne veux pas être prétentieux, mais on était bon en maudit. La foule nous aimait en maudit. Fait que moi, je n'aimais pas l'idée d'être annoncé en troisième combat puis de me faire lutter en finale quand j'arrivais dans les shows. Fait que j'avais mis un moins de pression avec Dino. Puis j'étais parti lutter pour des petites fédérations, une entre autres à Pensacola, pour Robert Fuller. Puis j'étais là dans ce temps-là. Puis c'est là que quand Pat Patterson il était à New York, le bras droit de Vince, il avait su que j'étais en désaccord avec Dino. Puis eux autres, la WWF, voulaient rentrer à Montréal. Fait que c'est là que Pat il m'a appelé. Puis il m'a dit, Jacques, écoute, il dit, on a un show, notre premier show de la WWF à l'Auditorium de Verdun. Puis on aimerait ça te mettre en finale contre Samu. Fait que là, j'avais dit, c'est parfait. Ça, moi, c'est parfait. Comme ça, je vais aller mettre les pendules à l'heure. Tu sais, ça va être parfait pour moi. Puis c'est une petite vengeance personnelle aussi pour montrer à Dino comme, garde, tu veux pas prendre soin de moi comme il faut, mais il y en a d'autres qui vont le faire. Puis, fait que finalement, je suis venu, puis c'était tellement drôle parce que j'avais volé le show ce soir-là. C'était tellement le fun. J'avais eu une belle victoire en finale. Puis là, j'étais retourné à Pensacola. Puis quand j'ai retourné à Pensacola, après ça, Dino m'avait rappelé. C'était tellement drôle. Il m'avait rappelé. Puis Jacques, il dit, je vais te mettre en finale, m'a donné ceinture, m'a tout te donné ce que tu veux. Puis, fait que j'étais revenu à la maison parce que j'ai toujours eu le cœur à la maison. Et oui, moi, c'était juste un moyen de pression. Puis pendant qu'on est revenu cette année-là, Vince McMahon avait vu ce que j'avais fait. Il avait entendu parler de mon combat. Puis il avait su aussi à connaître la popularité des Frères Rougeau à Montréal. Puis il se disait, mais si on veut prendre le Québec, ben il faut prendre les Frères Rougeau. Fait que c'est là qu'ils m'ont commencé à m'appeler. Puis ils m'ont appelé pendant à peu près un an de temps. Ils m'ont appelé. Pat Patterson m'appelait. Puis je refusais toujours d'y aller. Puis finalement, j'ai dit, ben je vais y aller à deux conditions. La première condition, c'est que je veux 5000 piastres par semaine. Je savais que ça coûterait cher, là, sa route de demain. Oui, vous avez parlé dans une autre entrevue, vous vouliez te payer 5000 piastres. Oui, puis c'est nous qui payaient par contre nos hôtels, puis on payait tout. Fait que, tu sais, quand tu fais ton impôt là-dessus, il t'en reste peut-être 2000 à la fin, là, 1500 par semaine. Tu sais, c'était pas la fin du monde. Là. Fait que j'ai dit, je vais avoir 5000 par semaine, puis je vais emmener mon frère Raymond avec moi. Fait que si vous amenez mon frère Raymond, parce qu'eux, dans le temps, ils m'avaient proposé que je sois en équipe avec Ricky Martel. Oui. Puis j'avais refusé, j'avais dit non, parce que il y avait une couple de raisons pour ça. La première, c'est parce que je tenais beaucoup à Raymond. On était quand même, si on était en désaccord ce fois-là avec Dino, on était proche, moi et Raymond. Puis l'autre raison aussi, c'est parce que mon frère Raymond, c'était un tough. Puis je me disais, tu sais, si ça brasse là-bas, j'aime mieux avoir mon frère dans mon coin que Ricky Martel, qui est un gars comme moi, qui est un artiste. T'sais, nous autres, on est juste des artistes. Puis si ça brasse trop, ben on va se faire sortir de là assez vite. Tandis que Raymond, c'était un méchant batailleur, puis un méchant tough. Fait que je me disais, je suis mieux épaulé avec mon frère Raymond. Fait que c'était les deux conditions que j'avais demandées. Puis finalement, c'est là que Vince il a dit, pas de problème, on emmène toi et Raymond. Puis ça a commencé comme ça. Durant votre carrière, vous avez fait de nombreux combats. Vous ne devez pas compter le nombre de combats de matchs que vous avez fait. Mais la question est la suivante. Aimiez-vous mieux être en équipe ou en solo? En équipe, absolument. Moi et Raymond, écoute, avant que je connaisse le solo comme de Monty, il n'y avait pas question que... Écoute, je suis un spécialiste du travail en équipe. Tu sais, moi et Raymond, on était tellement bons en équipe. On n'avait même pas besoin de... parler dans l'arène, on savait où ce qu'on était à chaque moment, on avait vraiment un lien de frère, tu sais, on s'est tiraillé depuis qu'on était jeune, on se connaissait par nos bruits, par nos gestes, on était capable de prévoir où ce que l'autre était pour être, fait que ça, c'est une force qui est exceptionnelle pour nous. Puis en plus de ça, Raymond et moi, on avait un travail qui était, on avait eu des bons professeurs, puis on a appris la base de la lutte. On a appris comment travailler avec les gars, comment attirer l'attention des arbitres pour que les vilains puissent aller chercher leur chaleur derrière le dos de l'arbitre, faire leur coup de cochon derrière le dos de l'arbitre. Pour que quand l'arbitre servait de bord, les vilains étaient déjà en loi, et un l'autre était sorti, ça paraissait pas qu'il avait triché, puis nous, on avait fait notre job de puis là, la foule venait méchante en maudit avec les vilains et avec les arbitres. Souvent, on voulait tuer les arbitres dans le temps quand on luttait, nous autres. Les arbitres avaient beaucoup de chaleur. Fait que moi, bien, on était vraiment des spécialistes du travail d'équipe, et on savait aussi l'importance de
quand on commençait à travailler sur un membre d'un corps, on travaillait la jambe du gars, mais on ne partait pas à travailler une jambe, après travailler un bras, puis après ça, travailler la prise de tête. On restait toujours sur la même partie du gars qui comptait une histoire, veut pas, dans le combat. Fait que, non, fait que moi, le travail d'équipe, ça a toujours été, surtout avec Raymond, ça a toujours été tellement, tellement plaisant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait 4 ans ensemble dans la WWF. Et puis, vous avez fait l'un des plus grands spectacles de tous les temps. En 1987, d'ailleurs, avec votre frère Raymond, vous avez été au Pontiac Silverdome à WrestleMania 3. Puis, comment s'est passée votre expérience là-bas? Ouf, je te dis que, tu sais, je veux dire comme histoire, on est mature, moi et Raymond, on est professionnel, on est au pic de notre carrière, on est à notre maximum, là. On ne viendra jamais meilleur que ça, là. On est à notre meilleur. Puis tu arrives dans une place comme ça où que tu t'assises, où il y a 93 000 personnes, ça change toute la donne. On avait travaillé, fait des shows de télévision, j'ai fait ça toute ma vie, mais devant 93 000 personnes, puis un Hulk Hogan contre le géant ferré, que le hype était tellement gros, puis être obligé de prendre un cart de golf pour s'en aller à l'arène, parce que l'arène était trop loin. Tu sais, c'était comme... Puis le combat était même pas fini avant. Écoute, on embarquait dans le cart de golf, le combat était pas fini, qui était dans l'arène, parce que c'était tellement loin. Il fallait qu'on se croise, puis il fallait que le show soit tight, il fallait que tout soit serré là-dedans, l'émission. Puis je me souviens, moi, dans le vestiaire, écoute, on parle de 1987, je pense, en 1987. Oui. Puis on parle de moi, écoute, j'ai commencé en 77, fait que j'ai 10 ans de carrière. Puis j'étais dans la chambre, puis j'essayais de passer des lacets dans mes bottes, puis mon pied sautait, j'étais tellement nerveux, j'avais la gorge sèche. Ça a été quelque chose, c'est vraiment une coche plus haut que j'avais jamais faite dans ma vie. Oui, puis non seulement c'était devant 93 000 personnes, mais si je ne m'abuse, c'était aussi l'un des premiers pay-per-view qui était en direct à la télé. À travers du monde. Dieu sait que c'était dans les meilleures années iconiques pour la WWF. Le hype, il n'y a pas personne sur la planète. Les Africains, les Chinois, tout le monde connaissait Hulk Hogan. C'était fou comment est-ce que c'était vu à travers du monde. C'était populaire. J'aimerais bien savoir un jour la recette qu'il y avait, comment est-ce qu'il y avait de monde sur pay-per-view qui écoutait ça. Fait que c'était même jusqu'en Australie. Je me souviens, on a fait une tournée tout de suite après en Australie. Fait que, tu sais, ça a été vraiment épique. Mais on l'a senti, cette pression-là, quand on est arrivé pour livrer de la marchandise, on est arrivé pour entrer dans l'arène. Il faut que je te dise qu'il y a une pression qui s'est ajoutée, là, qui était vraiment, comme j'avais jamais connu, comme j'ai plus jamais connu après ça, même. J'imagine. Monsieur Rougeau, à la suite de votre défaite contre le regretté Big Boss Man à SummerSlam 91 au Madison Square Garden, est-ce que vous considérez que c'est le moment le plus cocasse de votre carrière quand vous avez passé la nuit en prison? Écoute, un des moments les plus populaires, je dois dire, parce qu'écoute, j'ai reçu encore un email le matin, un gars qui m'a envoyé une photo, un gars qui m'a envoyé une photo juste ce matin, je pourrais vous envoyer ça, c'est tellement drôle, un gars qui m'a envoyé une photo du UK. De l'homme, je ne sais plus c'est où ce qui m'a envoyé ça, puis qui me dit à moi, il dit, en tout cas, il dit, j'ai eu une belle journée aujourd'hui, puis il dit, là, j'ai mis ça sur mon mur, puis il a mis une photo de moi quand je m'en vais en prison. Oh non! Puis là, je me suis dit, imagine-toi, je ne sais pas en quelle année ça que c'est arrivé, là, ça devait être arrivé en 91, peut-être 92. Puis 91, fait que tu vois, ça fait combien d'années 91? Ça devait faire 30 ans, là. On fait 31 ans de ça, puis le gars me parle de ça encore, mais je m'en fais parler tout le temps. Quand je vais dans les Comic-Con, tu sais, quand je m'en vais dans 2 semaines dans un Comic-Con encore à Los Angeles, mais j'en ai fait plusieurs cette année, puis toutes les fois, c'est immanquable. Je te dirais, là, sur un fan sur deux qui vient déranger des 1000 personnes me dit « Hey, ton match avec Big Boss Man, là, je te dis que c'était quelque chose. » fait que là, c'est évidemment que ça a marqué le monde. Il y avait tellement un beau build-up, j'ai trouvé, hein, Bern? Je trouvais tellement que c'était le fun. Puis le personnage du Monty, là, avec des vignettes, puis tout ça, là, moi, je me souviens là, des... mon Dieu, que c'était génial, cette époque-là. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il vous permet... Tu sais, c'était pas scripté au... à la phrase, là, tu sais, vous aviez une certaine liberté pour improviser. Puis c'est ça absolument qui donne le charme. Absolument. Je pense que les
Je ne sais pas comment ce que c'est la lutte aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je n'ai pas écouté un gala de lutte à TV. J'ai fait 30 ans que je n'ai pas vu la WWF. Je n'écoute rien, rien, rien de la lutte. Ça fait 30 ans que je n'ai pas rien, pas une émission. Puis, fait que je ne sais pas comment ce que c'est, mais je peux te dire que je n'entends parler. Puis ce que je me souviens, j'étais dans Comic-Con il y a une couple d'années avec Brett et Shawn Michaels. On était en Europe, justement. Puis Brett, il me disait ça. Il disait, « Oh, Jacques, tu n'aimerais pas ça. » Il dit, là, il te donne des feuilles au complet. Il faut que tu les apprennes par cœur. Il dit, c'est... Puis il était tellement découragé, Brett. Puis ça, je trouve que c'est de valeur parce que quand ça arrive, moi, ça me dit que tu n'es plus aussi talentueux que les gars quand on était là dans le temps. Parce que nous, c'était de l'originalité. C'était de garder des millions de spectateurs intéressés pendant que tu parlais, mais ça venait de ton cerveau à toi. Là. C'était tes idées là, qui venaient. Fait que c'est sûr que je pense pas que je serais... D'ailleurs, je le sais que j'aurais pas été un bon lutteur aujourd'hui parce que j'ai jamais été bon dans des sketchs puis dans des choses comme ça. Comme souvent, je fais des apparitions en télévision, tu sais, dans bien des émissions. J'ai fait La Vraie Nature, tout le monde en parle puis tout ça, mais c'est toutes des émissions que je parle moi-même. S'il fallait que j'ai déjà essayé une émission, je me souviens que Patrice Lécuyer, il voulait m'engager dans un rôle de télévision pour la télésérie de René Lévesque. Avec Patrice Écuyer qui jouait le rôle de mon oncle Jean parce que ça se posait être moi, mais il m'avait donné des lignes à apprendre, puis il y a pas question, la différence avec moi et un acteur, c'est que un acteur peut jouer le rôle de quelqu'un d'autre, moi je peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, je joue mon rôle à moi, je suis moi, et puis quand tu me demandes de jouer le personnage d'un autre, j'ai pas l'habilité pour faire ça, j'ai pas le fait que c'est ça la différence, je pense, puis je pense que qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que dans notre temps, je vais toujours à cette référence-là, c'est qu'à un moment donné, je commence une entrevue, que ce soit avec contre les Rockers, ou j'étais avec Raymond en équipe, puis là t'avais Mean Gene Okerlund qui était à côté de nous autres, puis là, mettons, j'arrivais, puis j'avais une idée dans la tête déjà de préconçue. J'avais un script de préparer, mais ça arrive des fois que tu as des blancs. Tu sais, des blancs de mémoire. Puis là, j'arrivais dans mon blanc de mémoire, j'étais là, je me dis, let me tell you something. Puis là, j'étais là, puis j'avais oublié, puis là, j'étais là, hey, Mean Gene, quit stepping on my shoe. Tu sais, puis là, tu sais, je changeais complètement de sujet, puis je dis, arrête de piler sur mes pieds, Mean Gene, pendant que je parle. Mais tu me déranges, tu me fais perdre mon idée. Mais dans le fond, c'est pas vrai, c'est, je venais de l'inventer. T'sais, fait que on avait vraiment notre personnage à nous, puis on apprenait à se sauver quand on se perdait. Puis je pense que le talent d'orateur, d'intervieweur, était beaucoup plus solide dans ce temps-là. En 1992, ça fait déjà 30 ans, vous avez été champion intercontinental en battant Bret the Hitman Hart. Je pense que vous étiez le premier Québécois à avoir été champion intercontinental. Pouvez-vous nous parler de cette expérience? Je peux pas te dire si j'étais le premier, parce que je pense que Pat Patterson avait gagné une fois avant. Ah, excusez-moi, oui, c'est vrai. Mais j'ai été certainement celui qui l'a gardé le moins longtemps. Je l'ai gardé juste 2 jours. Puis, c'est tellement drôle, parce que ça, c'est une autre affaire qui est tellement drôle, c'est que j'ai battu Bret Hart, puis 2 jours après, Rowdy Piper m'a battu pour m'enlever la ceinture. Puis c'était parce que Bret, il voulait pas dropper la ceinture à Piper, fait qu'ils se sont servis de moi pour l'intermédiaire, si tu veux. Mais ce qui était drôle là-dedans, c'est que aujourd'hui encore, je me répète, quand je vais dans un Comic-Con, puis je vais partout, mes poupées qui se vendent partout, Toys R Us, partout dans le monde, j'ai encore la ceinture après moi. Puis je me suis dit, c'est tellement drôle, je suis le gars que je pense que dans l'histoire de la WWF, qui l'a gardé le plus court. Mais le monde, mais j'ai marqué les gens quand j'ai gagné le championnat. Mande-moi pas pourquoi, je suis même pas capable de décrire pourquoi, mais le monde associe toujours le championnat intercontinental avec moi. Fait que c'est bien fou. Vous aviez un charisme, tu sais, vous aviez une attraction avec les fans et vous qui était intouchable, honnêtement. Le personnage du Monty, c'était très bien. Là, honnêtement, mais à cette époque-là, là, on en parlait avec récemment, on a eu Duke de Dobster Drosy avec nous, on a eu les Killer Bees, puis tout ça. C'était une époque qui avait tellement des gros joueurs que c'était pas évident là, de réussir à sortir du lot. Puis comme vous l'avez fait, moi, je trouve ça, c'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, vous avez été le seul Québécois à pouvoir affronter Hulk Hogan. Québécois-canadien. Et en plus de ça, le battre. Donc, comment vous avez trouvé cette expérience-là? On sait que c'était une... Ça a été... Vous avez organisé le spectacle. Vous avez fait venir, si je me... La WCW. À Montréal, puis comme une promotion, comme indépendante, si on peut dire. Puis vous avez...
vous avez eu le grand Hulk Hogan avec vous pour cet événement-là. Hogan NWO en plus. Là. Ben oui, il était vraiment hot dans ce temps-là. C'est un miracle que j'ai réussi ce coup de maître-là, je peux te dire ça. Des fois, je me demande comment j'ai fait encore aujourd'hui. Mais pour répondre à ta première question, que je trouve qui est très pertinente, c'est le lien que j'avais avec les fans. C'est que moi, je pense aujourd'hui, puis je le répète toujours, puis ça me gêne pas de le dire. Tu sais, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Vous savez, dans la vie, là, t'as le monde intelligent qui sont ici. Là. Ouais. Puis, mettons, t'as les autistes et les trisomiques qui sont ici. Là. Mais moi, je suis à peu près ici. Là. Puis, je suis comme... Mais je dis les vraies choses. J'ai pas de filtre dans ma vie. J'ai jamais eu. Ça m'a donné beaucoup de belles choses dans la vie, puis ça m'a mis dans le trouble beaucoup aussi. Mais j'étais un cœur ouvert, j'étais un livre ouvert. Puis, je pense que les gens qui ont appris à me connaître, puis qui me connaissent, ils savent que s'ils me posent une question, ils vont avoir une réponse. Puis je pense que j'ai réussi, mais j'ai pas réussi, c'était facile. J'ai amené ça dans mes personnages. Parce que mes personnages, je vivais mes personnages et je vivais avec un filtre ouvert. Je disais des choses niaiseuses, puis des affaires qui étaient niaiseuses des fois, mais qui étaient corny, qu'on appelle, je sais pas comment dire ça en français, pas niaiseux, mais tu sais, qui étaient... C'est vraiment pas drôle, ta joke, là. Tu fais des jokes... Mais c'est vraiment moins. C'était pas un rôle que je jouais, c'était vraiment moins. Fait que le monde, je pense qu'ils sont attachés à mes personnages. Ils ont trouvé bon, ils m'ont trouvé un bon acteur. Quand j'étais pas un acteur, j'étais vraiment moi-même. Fait que ça, pour répondre à ta question, pourquoi je pense que les fans étaient si proches avec moi? Puis j'ai toujours été généreux avec mes fans. T'sais, j'ai eu des millions de téléphones. Je suis pas capable de vous les compter. Jacques, tu ferais-tu une bonne fête, mon gars? Jacques, tu passes à Terrebonne, des fois, tu dirais-tu un mot pour mon gars? Ben, plus que ça, m'arrêter en costume de lutte, puis m'aller le voir, tu sais, puis pour sa fête. Puis j'ai toujours été comme ça avec mes fans. Très, très, très. On me demandait des choses, puis c'était toujours oui. J'étais toujours yes tout le temps. Puis je pense que ça m'a suivi. Ben, j'imagine que plus que vous aviez des demandes, puis plus ça devait pratiquement... Pas de l'harcèlement, mais tu sais, à un moment donné, vous avez 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas être partout en même temps. Fait que, hey, j'ai un gars là, qui me suit là, sur Facebook. Là. Écoute, là, je nommerai pas son nom, mais il est fatiguant en tabarnak. Il est fatiguant, mais j'ai compris qu'il était comme moi un peu, il n'est pas tout là. Puis je peux pas le flaffer. Mais maudit qu'il est fatiguant. Puis là, il m'écrit à peu près 20 fois par jour. Puis des fois, j'y réponds à peu près 3 fois sur 20, tu sais, parce que là, je suis tanné. Mais je suis pas capable de le laisser tomber. Mais je suis sensible à ces choses-là. Ouais, okay. Puis je pense que c'est une belle qualité, je pense, de ma part, de savoir dans quelle position que je suis, puis de savoir que si je prends pas soin du monde qui m'appelle, puis que souvent le monde m'arrête, genre, je peux te prendre une photo, je veux pas te déranger, puis ça, mais voyons donc déranger. Pendant que tu me demandes une photo, ça veut dire que je suis important pour toi, ça veut dire que c'est bon pour moi, ça me valorise, tu sais, c'est important pour moi, je t'en co-in, si tu veux, là, tu sais, fait qu'eux autres pensent qu'ils me dérangent, mais ils me dérangent pas partout. Quand je me reviens d'abord, après, je me sens tellement bien, je me sens comme mon estime de moi est montée encore, là, tu sais. fait que c'est comme ça que je me sens dans la vie. Puis pour revenir à WCW avec Hulk Hogan, mais ça a été vraiment exceptionnel. Mais je pense qu'en arrière de ça, il y a beaucoup de choses qui suivent. Il y a le respect que Hulk avait pour la famille Rougeau. Écoute, la famille Rougeau, on est 4 générations qui a fait de la lutte. Là. Puis tu sais que les meilleurs, c'était mon père puis mon oncle. Tu sais, puis mon grand-oncle, ADOG, là-bas, nous autres. Moi, nous autres, on a juste suivi les traces, moi et Raymond. Mais c'est mon oncle Johnny, mon père, qui a vraiment créé les frères Rougeau, là, la famille Rougeau. Puis je pense que la réputation des Rougeau qui a fait le tour du monde, mon père qui a lutté au Japon puis qui a lutté partout dans le monde, a laissé une belle trace, une belle marque pour la famille Rougeau. Puis je pense que ça s'est parlé d'investir de génération en génération. Puis je pense que Hulk avait ce gros respect-là pour la famille Rougeau. Puis en même temps, mais Hulk avait un respect pour moi parce que je me suis tenu debout dans un temps très difficile dans WWF où ce que ça brassait, puis que il y a beaucoup de monde qui s'aurait mis la tête dans des jambes, puis qui aurait parti chez eux, puis qui aurait lâché. Puis moi, ben, j'ai tenu mon bout, puis j'ai cessé une grosse vague d'intimidation qui se passait. Puis lui, même si en étant le grand Hulk Hogan, puis le grand Manitou de tout ça, le gars qui est intouchable, puis le créateur, si tu veux, des bonnes années avec Vince McMahon de la WWF, je suis sûr et certain, il m'en a jamais parlé, mais je suis sûr et certain
Il avait peur aussi, lui aussi, de se faire intimider, puis de se faire couper ses culottes, puis de se faire ça. Fait que, mais il était toujours, même si ça n'est jamais arrivé, il était toujours un peu dans l'obligation de... Ça me fait penser un peu de rire des jokes qui étaient plates, un peu des gars, puis d'embarquer un peu dans leur jeu. Ça me fait penser quand je donne mes conférences contre l'intimidation partout dans les écoles, j'ai fait pendant 20 ans, j'expliquais aux jeunes que, hey, c'est pas facile là, d'arrêter quelqu'un qui fait de l'intimidation dans la classe à son arrière, puis qui rit de vous autres. Il rit de quelqu'un parce qu'il a des grosses oreilles ou parce qu'il y a des barniques qui sont épaisses. Puis là, toi, ben, t'es pogné là-dedans, t'étais sans classe. Puis là, toi, là, tu te fais regarder par le gars qui fait du bullying, un peu d'intimidation. Ouais. Puis que là, il te regarde comme ça. Puis toi, tu le regardes, mais t'as le choix. Là, tu peux te revirer puis l'ignorer ou tu peux juste rire sa joke un petit peu, l'encourager comme ça. Mais ben, pendant que tu l'encourages, ben, il te touche pas. Là, t'sais, au moins, t'sais, écoute, fait que Hulk a fallu qu'il vive ça lui aussi, là, t'sais, avec les Bulldogs, puis avec ce qui est arrivé. Fait que je pense que le fait que quand j'avais mis mon pied à terre, puis j'ai fait ce que j'ai fait, Hulk a gagné un gros respect pour moi. Fait que quand j'ai demandé de venir à Montréal, il y a eu des choses que le monde ne savent pas. Il y a eu des choses que dans les demandes que j'ai faites, dans l'entrevue que j'ai faite à Atlanta, où ce qui m'a donné une tape avant mon combat, il m'a frappé pendant que j'étais en pleine entrevue, puis qu'après j'ai organisé quand il est débarqué à Montréal, des limousines. Puis quand que j'ai sorti de la limousine, puis j'ai donné une claque sur la gueule à Hulk, puis j'ai pété une dent parce que j'étais tellement excité puis tellement nerveux, puis j'ai fait ça par accident. Mais Hulk, je pense qu'il m'a toujours regardé, puis je vous jure, il doit avoir dit dans sa tête, maudit que tes couilles, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas le cas, moi je suis juste un gros peureux dans la vie, mais on dirait que quand que j'arrive dans des situations où c'était critique, ou ce que c'était pour ma carrière, ou c'était que ça passe ou ça casse, des fois, je viens un peu plus brave que d'habitude, tu sais. Puis je pense que ça a fait mon chemin, puis Hulk, avec tout ça, il a accepté de... Puis quand je suis arrivé dans le vestiaire, écoutez, j'ai demandé avant... écoute, il y avait Harlem Meek qui était là, Ric Flair, Dean Malenko, tous les gros noms étaient là, là puis là, je suis arrivé, puis il dit, Lex Luger était là, je me souviens, puis là, je me souviens, puis j'ai dit à Hulk, j'ai dit... Je parlais tout bas, tu sais. J'ai dit, Hulk, comment est-ce qu'on fait ça à soir? Moi, j'étais sûr que je me faisais planter par Hulk. Là. Moi, je voulais juste qu'il me fasse paraître bien un petit peu devant mes fans, un peu. Là. Oui, Hulk Hogan. J'avais aucune idée qu'il s'en venait. Puis là, il me disait à moi devant toutes les boîtes, puis il parle plus fort. Il dit, Brother, it's your show. He says, You're going over tonight. Là, j'ai parti en rire quand il m'a dit je gagnais. Je te jure, j'ai parti au grand éclat en rire devant tout le monde. Puis oui, j'étais. Je pensais, j'étais sûr que c'était une joke, tu sais. Puis je le vois qu'il agaçait tout le monde, tu sais. Puis finalement, je m'aperçois que là, il est sérieux, puis il me regarde. Fait que là, j'arrête de rire. Puis là, finalement, il dit, Brother, I'm serious. It's what are we doing tonight? How are you going to beat me? Puis là, j'ai été là pendant au moins, je devais être là, je peux pas dire le temps, puis j'étais comme knocké, là, debout sur mes pieds, je comprenais pas jusqu'à quel point il était sérieux. Puis là, en joke, j'ai dit, ben, m'a fait la prise du petit paquet, tu sais. Passe-moi au bat, à la fin, tue-moi, pine-moi, puis un, deux, puis lève-moi la tête comme t'aurais pu me battre, puis tu me bats pas, puis finalement, ben, tu viens me ramasser, puis je vais te faire une petite prise surprise, me battre, puis, mais tout le monde dans le vestiaire, tous les lutteurs, t'aurais dû voir la face eux autres aussi, c'était comme You must be kidding. T'sais, c'est sûr que c'est une farce. Là. Puis ça, finalement, ben, tous les gars sont venus regarder le match. Puis quand je l'ai battu 1-2-3 à la fin, quand je suis revenu dans le vestiaire, il n'y avait plus un lutteur dans le vestiaire. Il n'y avait plus un. Tous les lutteurs étaient tous partis. La chambre était vide. C'est comme s'il n'y a personne qui voulait témoigner ça, il n'y a personne qui acceptait ça. Ça m'a donné une notoriété incroyable. Aux yeux du monde, des fans de tout le monde, mais ça m'a mis une chaleur sur le dos avec bien des lutteurs qui voulaient battre Hulk Macho Man, ils voulaient battre Hulk. Il y a bien des gars qui ont voulu battre Hulk, quand ils disaient non, puis moi, le petit cul de Montréal, tu sais, puis il me dit oui. Fait que, tu sais, mais ça a été un moment, écoute, à partir de là, il n'y a pas une entrevue que je faisais pas, puis que je disais pas, ouais, le seul Canadien ouais, battu Hulk Hogan. parce que je me servais de tout au bout. Je me disais, c'est miraculeux. Yes. Tout à l'heure, M. Rougeau, vous parliez que vous faisiez des conférences malgré vos projets qui vous occupent beaucoup. En faites-vous encore pas mal des entrevues? Ben là, j'en ai fait pendant le COVID, j'avais arrêté ça un petit peu avant. Oui, puis là, mais là, j'ai recommencé là, ce printemps, on m'a choisi, ça a tout commencé ce printemps, ça recommence encore parce que c'est le côté anglais qui ont sauté sur moi. Il y a une journée qui s'appelle le Pink Day Shirt.
Puis c'est à travers du Canada, parce qu'un petit gars de 12 ans qui était intimidé il y a quelques années, puis qui s'est pris la vie, puis il avait mis un chandail rose pour aller à l'école, puis les étudiants, quelques étudiants qui ne savaient pas à quel point qu'il était influençable, l'ont magané, ce petit gars-là, puis finalement, mais il n'est jamais revenu. Fait que là, ils ont fait le Pink Shirt Day, puis ils m'ont choisi cette année pour parole au Canada, sur le côté anglais, au Québec. Fait que j'ai commencé, j'étais allé donner une conférence au mois de mars, avant que je tombe malade, j'ai donné une conférence au mois de mars sur Internet, parce qu'il y avait encore le COVID, j'ai donné une conférence dans 14 écoles sur Internet. Et puis ensuite de ça, j'ai redonné une autre conférence il y a à peu près un mois et demi de ça dans une autre école dans le coin de Beaubien puis Rosemont, là, à Montréal, puis devant 500-600 élèves. Puis là, j'ai d'autres demandes qui commencent à rentrer, puis... Écoute, c'est valorisant de donner des trucs aux gens, comment battre l'intimidation sans servir de la violence. Aujourd'hui, c'est fou. Puis en plus, maintenant, il y a des canaux de communication. C'est tellement fait. Tu sais, à notre époque, M. Rougeau, on se mettait, parce que moi, j'ai été intimidé, Ben a été intimidé. Puis tout le monde. Et vous avez été intimidé aussi. Mais tu sais, à nos époques, il n'y avait pas d'Internet. Fait que tu rentrais chez vous le soir, tu avais la paix. Tu sais. Là, aujourd'hui, là, c'est l'Internet, c'est les téléphones cellulaires, c'est tout ça. Fait que ils pressent le citron au maximum. Puis là, c'est lourd. Tu ne peux pas t'en sortir. Puis tu n'as pas de refuge. Mais écoute, c'est quelque chose que j'aime faire encore et que je m'aperçois encore parce que j'ai toujours le fun de... Écoute, je vais te conter quelque chose qui est tellement drôle, c'est que je vais vous montrer à quel point c'est important d'aider les jeunes quand on peut, parce que la dernière conférence que j'ai faite il y a à peu près un mois et demi, j'ai reparlé de la situation que quand je me suis fait intimider, puis je me suis fait battre dans le vestiaire par les Bulldogs, puis quand je parlais des émotions que mon père était là, puis il m'avait vu, puis tout, j'ai arrêté de parler pendant 5 secondes, puis je me suis mis, pas à pleurer, mais là, j'avais le mouton dans la gorge. Puis tout le monde me regardait comme, ben voyons donc, il va-tu pleurer? Puis ça fait 30 ans de ça. Alors imaginez-vous comment ça m'a marqué moi. Ouais. Fait que je me dis, comment est-ce que ça peut marquer les gens? Fait que quand tu leur donnes une lueur d'espoir, puis tu les fais travailler en équipe, mais c'est valorisant parce qu'à la fin de la conférence, quand tu as le directeur du board qui s'en vient de voir, puis il dit, waouh, quel message que c'est bon, tu sais. Fait qu'en quelque part, je me dis, ben c'est... Et je peux pas arrêter ça parce que j'ai toujours aimé faire du bien, puis j'ai toujours aimé toucher les gens dans leur vie. Fait que c'est tout le monde qui se font toucher. On va faire une conférence à Drummondville au mois de septembre, on vient de booker ça hier. Puis imagine-toi, c'est dans une compagnie de motivation, dans une compagnie, là, une grosse compagnie, puis quand j'ai demandé y a-tu des points que vous voulez que je touche? Il m'a dit, Jacques, j'aimerais ça que tu parles un peu de l'intimidation. Mm-hmm. Puis on parle dans une compagnie là, d'hommes de 40 à 70 ans. Là. Puis ils veulent que je parle d'intimidation encore. Fait qu'il y en a partout, il y en a à tous les âges. Puis, mais il faut savoir que le message le plus important là-dedans, le plus important, surtout dans les écoles que je leur dis, c'est exprimez-vous, parlez-en. Il faut en parler. Il ne faut pas vous garder ça en dedans de vous autres. Ça, c'est le plus gros message que je leur donne. Exactement. C'est si vous pétez la bulle, il va arriver quelque chose. Mais c'est la chose qui va arriver, c'est souvent beaucoup plus épeurant que les résultats qu'ils vont avoir après. Fait que c'est juste de prendre le pas, de s'exprimer, puis de parler à quelqu'un, parler à la famille, parler à des amis, parler au directeur, puis ça va se régler. Exactement. Et puis aussi de s'accrocher à quelque chose qu'on aime pour ne pas décrocher non plus. T'sais, nous, on aurait pu mal virer dans la vie. Puis tu sais, mais on se tenait, nous, à l'époque, dans une maison de jeunes. Puis on a commencé à faire de la lutte. À partir de là, puis là, de fil en aiguille, ben, tu sais, on... Ça nous a déjà aimé, disons. Ben, c'est ça. Vous avez vécu votre passion. Oui, exactement, mais pendant ce temps-là, on pensait pas à briser des fenêtres, puis faire des conneries, puis tout ça, tu sais. Puis, je trouve ça le fun, parce que on en vient, dans le fond, à votre projet avec des talents du Québec et de l'Ontario, si je ne m'abuse. Votre projet de Lutte Académie, que vous tenez beaucoup à cœur, est-ce que vous voulez en discuter un petit peu avec nous?
Ben écoute, les gars, c'est beaucoup plus gros que ça. Je suis content que vous en parliez. C'est beaucoup plus gros que l'Ontario puis le Québec. Écoute, il y a 40 participants qui ont commencé ça. C'est comme un Star Academy de lutte que j'ai produit avec ma conjointe. On a fait ça depuis 10 mois que je travaille là-dessus avec ma conjointe. Et puis, si vous allez voir le site web qui est lutteacademy.ca, mon Dieu, que vous allez capoter. Vous allez voir l'ouvrage qui a été mis là-dedans. Vous allez voir des anciens qui nous félicitent comme Bret Hart, Undertaker, Bushwhacker, Tito Santana. Vous allez voir des mots d'encouragement de tous les anciens lutteurs qui étaient là. Vous allez voir tous les participants et participantes qui font une petite vidéo de 30 secondes. Vous pouvez cliquer dessus. Puis ils pouvaient aller voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Puis là, ça vient de partout, là. Justement, au dernier spectacle qu'on a eu il y a 3 jours, on en a eu un le 15 mai, et puis on a eu notre deuxième. Ça, c'était la première ronde le 15 mai, la première partie de la première ronde. Et là, 3 jours, là, 4 jours, c'était la deuxième partie de la première ronde. Oui. Puis on avait des combats de Calgary contre Vancouver. On avait l'Ontario contre le Nouveau-Brunswick. On a des lutteurs qui viennent de partout. Là. Comme je te dis, on a 40 lutteurs et lutteuses. C'est un propre c'est ça? Ben oui. Ça vient de partout au Canada. Et puis, il y en a, dans les 40, il y en a 21 qui viennent du Québec. Wow. C'est ça qui est le fun. Puis on avait un gars que je pensais à Chad Daniels qui vient de Winnipeg. Écoute, c'est fou. Allez voir ça sur lutteacademy.ca. Vous ne décrocherez pas. Là. C'est fini parce que le 14 août, le 14 août qui s'en vient, ça va être les meilleurs du 15 mai qui vont être contre ceux du 26 juin, que d'ailleurs, dans 3 jours à peu près, ça va apparaître sur lutteacademy.ca. Le spectacle, il faut aller le voir. Il faut aller voir les deux spectacles. Un qui va apparaître dans 3 jours. Justement, ça, c'est deux combats qui viennent d'être signés pour la semi-finale. Et puis, j'ai tellement hâte de voir ça. Mais ce qui est important de se rappeler dans ce projet-là, c'est que c'est un projet pilote cette année. On fait vraiment ça de nous. Moi, je fais des Comic-Con partout dans le monde, puis je prends tout mon argent des Comic-Con pour mettre ça là-dedans. On n'a pas de gros commanditaires pour nous faire ça. On prend notre argent à nous, puis, puis on fait ça. On a 4 gros commanditaires, par contre, qui vont donner 5 000 $ aux 4 gagnants. Wow. Ça, c'est quelque chose. Quand tu luttes dans des fédérations indépendantes, tu peux aller chercher 50$, 100$, 200$, si t'es chanceux. Mm-hmm. Mais là, on va donner 5 000 $ aux 4 gagnants, mais c'est pas ça le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, là, c'est que les 4 gagnants, ils vont, la dernière journée, fait que le prochain show, c'est le 14 août, les semi-finales, mais 2 semaines après, c'est la finale. Où est-ce qu'on s'en va chercher les 4 sur un bord, 4 sur l'autre? Puis les 4 gagnants, ils s'en vont passer 3 mois dans l'école de lutte la plus prestigieuse en Amérique du Nord, le Nightmare Factory, qui est QT Marshall est propriétaire, et donc Cody Rhodes aussi. Et donc, les deux, c'est fou parce que les fédérations, les grosses fédérations recrutent de cette école-là pour devenir vraiment des champions dans la lutte internationale et mondiale. Fait que, tu sais, quand tu passes 3 mois là-bas, là, c'est quelque chose, là, tu vas apprendre à connaître du monde. Puis QT Marshall va être là directement le 28 à Montréal, au Club Soda, pour amener les 4 gagnants avec lui, une femme puis 3 hommes. C'est vraiment, écoute, puis moi, j'ai pas de papier de travail pour les Québécois ou les Canadiens, mais ce que j'ai, c'est un pied dans la porte. Autrement dit, quand tu vas passer 3 mois dans l'école de lutte là-bas, puis t'as des gars comme Jake the Snake qui sont coach, puis t'as des gars comme Blake Glazier, puis t'as des gars comme Cody Rhodes, puis QT Marshall, mais du monde qui sont déjà dans la fédération, mais là, eux autres, s'ils voient ce qu'ils aiment, là, après, ils parlent de ça à leur boss, leur compagnie majeure, puis ils leur disent « Hey! » On a un talent là, qui est écœurant au Canada, là, qui est avec nous autres, il faut que tu checkes ça. Fait que là, eux autres vont aller chercher des papiers de travail. Mais moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux juste les amener là, puis leur donner de l'exposure, comme on dit, de la visibilité. Puis c'était mon idée de faire ça, de leur donner de la visibilité, d'être un tremplin pour les lutteurs canadiens et québécois, de pouvoir rentrer dans les grosses ligues. Super. D'ailleurs, vous avez parlé juste avant de QT Marshall. Vous nous avez envoyé une petite vidéo, donc on va regarder ça, chers amis. Hey everybody, it's QT Marshall with All Elite Wrestling and the Nightmare Factory, and I just wanted to send this message to wish good luck to each and every wrestler that will be participating next Sunday night, June 26th at Club Soda, for part 2 of round 1 of Academy of 2022. Now remember, at the end, there's going to be 4 winners selected. Each will receive $5,000 and the opportunity to come train with me at the Nightmare Factory for 3 months. On August 28th, when the winners will be selected, I personally will be there to help choose. So good luck next weekend. Keep doing what you're doing, and I'll see everybody on August 28th.
Wow, mais wow. Belle vidéo, honnêtement. Il semble tellement sympathique en plus, Monsieur Marshall. Puis c'est vraiment cool que vous avez pu le contacter, tu sais. Écoute, il faut que je vous conte quelque chose d'absolument extraordinaire. Vraiment quelque chose au-dessus de ce que j'aurais pu jamais imaginer. Quand je l'ai contacté il y a 10 mois, j'avais demandé... Tu sais, je ne connaissais pas QT Marshall, comme je te dis, ça fait 30 ans que je n'ai pas écouté la lutte, je ne sais même pas c'est qui. Moi, je ne sais pas qui était avec le AEW, puis j'ai aucune idée. C'est... Ben, je le sais juste d'en entendre parler, mais je n'ai jamais vu à l'émission, je n'ai jamais écouté. Fait que moi, j'ai eu son numéro de téléphone par l'entremise d'un lutteur que je connaissais. Fait que je l'appelle, puis je dis, Monsieur Marshall, c'est Jacques Rougeau de Mounty. Tu sais, je me présente dans mon personnage, je me dis, s'il lutte, il doit bien me connaître. Fait que là, il dit, oh, how you doing, Mr. Rougeau? I'm a big fan of yours. Tu sais, je suis un gros fan de toi. Puis là, j'ai dit, ah oui, mais j'écoute, j'aurais une faveur à te demander. J'ai dit, on a un gros concours comme Star Academy, mais c'est Lutte Academy. Puis j'ai dit, je vais avoir 4 gagnants. Puis je me demandais si mes 4 gagnants pourrais pas les amener à Atlanta, à ton école de lutte, juste pour passer une journée, pour que tu puisses les évaluer dans l'arène une journée, pour juste leur faire sentir comme c'était des vedettes internationales, tu sais, ou qu'il y avait une chance de... Puis juste les évaluer sur les entrevues, puis me donner une journée de votre temps. Fait que là, il dit, bien, c'est sûr, M. Rougeau, je vais faire ça, puis tout. J'ai dit, comme ça, je peux me servir de votre école, le Nightmare Factory, comme... Il dit, oui, j'embarque là-dedans, j'embarque, j'endosse ça, c'est sûr. Fait que là, moi, je commence à faire des podcasts comme avec vous autres, mais je fais ça en Europe, je fais ça en Australie, je fais le tour du monde en podcast, puis j'arrête pas de parler de Nightmare Factory. J'arrête pas de montrer une vidéo de QT Marshall, pas celle-là, mais un autre au début qui me donnait ma journée, là, puis pour me donner un peu de crédibilité dans mon projet. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il pense qui est arrivé? Mais là, il commence à envoyer des appels au Nightmare Factory. Son téléphone était rouge. Tout le monde l'appelait. Les haineux l'appelaient pour dire, « Hey, Jacques Rougeau, c'est de ton nom. » Puis ceux qui m'aimaient, ils disaient, hey, « C'est-tu vrai? Qu'est-ce que les gagnants vont être là? Ouais. » Fait que là, son téléphone était rouge, lui. Fait que là, à un moment donné, 2 mois après, j'ai demandé de m'envoyer une vidéo juste pour moi, parce que j'avais tellement de chaleur sur le dos, il y avait tellement du monde qui essayait de détruire le projet, que là, j'étais là, ben, il faut que je me redonne de la crédibilité, fait que j'ai demandé, peux-tu me refaire une autre vidéo qui était juste pour rassurer mon talent, que, parce qu'il y en a qui disent à mon talent que c'est pas vrai, que ça arrivera pas, fait que peux-tu juste rassurer mon talent? Fait qu'il me renvoie une vidéo, puis dans la vidéo, il dit, en tout cas, je vous attends ici, les gagnants, pour une semaine, au lieu d'une journée. Lui, il dit dans la vidéo, il dit, pour une semaine. Moi, je regarde ma blonde, t'as-tu compris qu'est-ce qu'il a dit? T'as-tu compris qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une semaine. Fait que là, moi, je capotais au bout. Puis là, là, on parle de 7 mois après. Je lui demande une autre vidéo. Je ne l'achale pas. Moi, je suis tellement content qu'il veut travailler avec moi. Puis là, mon talent commence à y croire au projet. Fait que je fais un podcast à Montréal qui s'appelle Nick Drosis. C'est un podcast en anglais. Puis là, je m'en vais. Puis je lui demande, peux-tu me refaire une autre vidéo, s'il vous plaît? Puis dans la vidéo, il me dit ça de même. Il dit qu'il va me donner 3 mois au gagnant. Wow. Moi, là, quand il a dit ça, là, je te jure, j'étais surpris, je capotais, j'ai regardé ma blonde, on a braillé, moi j'ai braillé comme un bébé. Là, je me suis dit, tu sais, il y a une différence là. Je vais vous expliquer la différence. La différence, c'est que tu t'envoies une journée à Atlanta, c'était un peu comme nous autres à WrestleMania 3. Là. T'arrives là avec la gorge sèche, t'es pas capable d'attacher tes bottes, t'es tellement nerveux pour essayer d'impressionner, ça se peut pas. Fait que tu sais, t'as jamais une deuxième chance de faire une première impression. Puis là, t'arrives après, tu reçois des nouvelles que c'est une semaine. Fait que là, c'est plus pareil. Une semaine, c'est comme si tu te trompes le lundi, mais t'as mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour te reprendre. Puis, mais là, quand t'arrives 3 mois, puis tu fais une vidéo de 3 mois qui te donne 3 mois d'une valeur inestimable, que je sais pas comment ça coûte. Mais fait que là, c'est plus pareil. Là, quand j'explique à mon talent, c'est hey, quand je fais des meetings là, dans notre groupe chat, puis tout ça, là, je dis écoutez-moi, là. Là, c'est plus une question de t'arrives à l'école la première journée, c'est « How you doing, Mr. Marshall? Comment ça va, Mr. Marshall? » Puis là, après une semaine, c'est « Bonjour, QT. » Mais j'ai dit après 3 mois, là, c'est « Hey, comment ça va? » Une claque sur l'épaule, puis tu sais, un hug, puis une caresse, puis tu sais, une tape sur les fesses, puis « est rendu des chums, on va-tu prendre une bière à soir encore? » Puis ah, c'est plus la même chose. Puis moi, j'ai toujours dit dans la lutte, il y a 2 critères qui fait que ça va. Moi, je me souviens de la montagne, il y avait 2 critères pour que tu réussisses dans la lutte. La première, c'est être à bonne place au bon moment. Puis l'autre critère, c'est qui tu connais. Tu sais, si tu connais la bonne personne, là, tu vas rentrer. Moi, je connaissais Pat Patterson, j'ai rentré dans WWE, c'est Pat Patterson qui m'a fait rentrer. Fait que, tu sais, quand tu connais la bonne personne, puis tu es à bonne place au bon moment, c'est les 2 critères, puis c'est ce qu'on est en train d'offrir à tous les lutteurs canadiens et les 21 lutteurs et lutteuses québécois.
Fait que pour moi, c'est un rêve qui se réalise, qui arrive quoi que ce soit. Là, je suis tellement excité. Mon premier show, on a vendu 300 billets sur 400. Et celui du show du 26 qui vient de passer, on a vendu 396 billets sur 400. Wow. Il en restait juste 4. Puis là, je prévois, j'ai 60 billets déjà de vendus pour le 14 août. Puis je prévois de remplir la salle d'aplomb les deux prochains. Wow. Fait qu'on va créer un engouement cette année. On n'a pas de commanditaire majeur. Il n'y a personne. Il n'y a aucun poste de TV qui veut embarquer dans mon projet. Mais là, c'est rendu mondialement que je suis suivi dans le monde de la lutte. Puis je crois sincèrement avec la crédibilité du projet. Puis l'excitement qu'il y a dans le monde de la lutte en ce moment. Comme justement, j'ai Chris Dillon qui est retourné chez eux à Halifax il y a quelques jours. Puis il y avait quelqu'un qui essayait de descendre le projet encore. Puis il a dit, hey, wow, là. Ils arrêtaient de descendre de projet. Là. Ils disent, moi, je viens de lutter en fin de semaine. J'ai trippé d'aplomb au Club Soda. C'était plein à craquer. Genre, pour j'ai payé mon billet d'avion. Il a payé mon hôtel. Tu sais, arrêtez de critiquer le projet. Là. Puis on a une chance. Cool. Puis moi, j'ai une chance d'aller passer 3 mois là-bas, là, au Nightmare Factory. Là. Puis je veux de gagner 5 000 $. Fait qu'arrêtez de parler contre le projet. Fait que là, je suis en train de me créer une crédibilité, si tu veux. J'ai beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais j'ai une passion pour ça. J'ai toujours eu une passion pour la lutte, fait que je travaille pas, dans le fond, je m'amuse. Mais je suis content de redonner aussi. Je suis vraiment content de redonner à tout le monde. Vous faites bien. Et puis, merci beaucoup, M. Rougeau. Merci beaucoup du fond du cœur. Je fais trop, vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes tellement généreux. On est rendu à 55 minutes de podcast. Hein. C'est fou, là. Puis nous, à la fin de chacun de nos podcasts, on a un classique, dans le fond. Ce qu'on fait, c'est que Nastradamus prédit quelque chose pour notre invité. Alors, voilà l'honneur d'écouter ce qu'il y a à dire. Monsieur Rougeau, je vous prédis de la santé. Je vous souhaite bien de la santé, que vous allez vous en sortir, votre fameuse bactérie. J'espère que ça ne sera pas si grave que votre affaire. Puis, une autre affaire, moi et Jonathan, on vous souhaite que votre projet, un jour, aboutisse à un réseau de TV ambitieux, genre comme TVA Sport ou RDS. On vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Il ne se trompe pas bien, Ben. Il ne se trompe pas beaucoup. Quand on regarde des shows, puis on met, mettons, la carte, habituellement, le gagnant-perdant, là, c'est 100%. Ça arrive que je me trompe. Ouais, non, fait que, en tout cas, on se croise les doigts que ça fonctionne bien. On vous le souhaite de tout cœur. Si vous avez une chance d'afficher lutteacademy.ca, envoyer les gens voir lutteacademy.ca. Ils peuvent voir le premier show du 15 mai déjà s'ils vont là en ce moment, mais dans quelques jours, ils vont pouvoir voir le show aussi du 26. Puis imaginez-vous que les meilleurs du 15 mai puis les meilleurs du 26 vont s'affronter le 14 août au Club Soda Montréal. Ça va être national, parce qu'il y en a qui vont venir de Vancouver, il y en a qui vont venir d'Halifax, mais il va y avoir des Québécois là-dedans, c'est sûr, parce qu'on a plus que la moitié qui est Québécois. Alors venez nous encourager, lutteacademy.ca. Déjà 2 combats de signés, les combats de femmes qu'il y a là. On attend le résultat des votes. Parce que le monde peut voter, le monde peut aller sur Lutte Académie, on a oublié d'en parler vite, mais le monde peut aller sur lutteacademie.ca puis voter pour qui qu'ils veulent, parce que dans le fond, on a 3 juges sur le bord d'arène qui votent à 40%, mais à 60%, c'est le monde entier qui vote pour ceux qui veulent qu'ils gardent puis ceux qui veulent qu'ils partent. Fait qu'allez sur lutteacademie.ca, puis moi, je vous remercie infiniment de votre temps. Vous avez été très généreux puis très gentil pour moi. C'est à nous de vous en remercier. Ça fait plaisir, puis on va partager... vos événements sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir. Wow, merci beaucoup. Super. Plaisir. Alors, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir, monsieur. À bientôt. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy. We're not worthy. Got spaceman, huh? No, actually, I'm a farmer. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N.W.O. The Rock says, sweet baby Jesus in the office.